C'est dans ces appareils, qui servent en quelque sorte de four, que sont fabriquées les différentes variétés de sucres spéciaux. En temps de coupe, ils sont en marche 6 jours sur 7. Le sirop de la canne qu'on utilise, on va cristalliser. À ce moment-là, on va produire du sucre. C'est en forme de mascuite qui contient le sucre et de la mélasse qu'on va ensuite séparer dans les centrifuges et passer par d'autres procédures comme le dryer et le conditionnement de sucre. Après la réception de la canne à l'usine, il y a 4 étapes majeures dans la fabrication: le broyage, la clarification, la cristallisation et la centrifugation. Un processus qui prend au moins 12 heures. Sans une bonne qualité de canne, on ne peut pas faire le sucre spécieux. L'autre étape, c'est qu'il faut faire la clarification. Donc clarification, ça demande aussi un jus très clair. Et à partir de là, on peut concentrer et avoir la cristallisation. Donc dans la cristallisation, c'est ça le secret de tous nos sucres spécieux. Donc il y a un mélange qui se fait. Il y a différentes compositions d'ingrédients qu'il faut qu'on ajoute. Recirculation de sirop, d'égout, de mélasse. Et tout ça, c'est fait pour avoir un type de sucre spécial. Les sucres spéciaux, réputés sains pour la santé, contiennent différentes proportions de mélasse et sont riches en antioxydants. Pour la campagne 2021, 5 nouvelles variétés ont été développées. Elles viennent s'ajouter aux 18 déjà commercialisées. Suite à avoir écouté les retombées du marché qu'on a pu avoir, on a focalisé sur Alteo le développement de sucres spéciaux adaptés à leurs outils de production. Donc ils vont développer 3 nouveaux sucres. Et Terra également, on capitalisera sur leur savoir-faire avec 2 nouveaux sucres. Commercialement, j'irai présenter ces sucres aux clients à partir du mois d'août avec l'objectif de justement capitaliser sur la production qui se fera jusqu'à fin décembre. Cette année, quelques 155 000 tonnes de ce produit seront fabriquées par Alteo et Terra. L'expertise, c'est de longue année. Le syndicat aujourd'hui est très agressif de venir avec l'innovation pour prendre des marchés. Donc nous, on est en train d'accompagner le syndicat dans cette innovation. Donc on a des équipes à plein temps qui travaillent pour ce développement. 100% naturel et sans additifs, les sucres spéciaux commercialisés depuis peu sous le label Mauritius Sugar sont vendus dans 55 pays.